souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est que la francophonie, puis qu'est-ce qui rattache au-delà de ce qui est évident, c'est-à-dire le partage d'une langue. Avec le partage d'une langue, il y a le partage d'une culture, et puis en tout cas, peut-être pas d'une civilisation, mais certainement d'éléments d'une civilisation. Moi, ce sur quoi j'aimerais vraiment mettre l'accent cette année, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre corps, qu'est-ce qu'on mange, et puis comment on produit ce qu'on met dans notre corps. Je crois que s'il y a quelque chose qui est une des grandes valeurs du monde francophone, de la culture française et francophone, c'est ce souci de bien manger. Et par bien manger, on veut dire quoi? On veut manger des produits qui sont sains, qui sont cultivés d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit biologique, qui soit produits à proximité, qui soit aussi des produits de saison, et puis qu'on puisse travailler avec plaisir et qu'on puisse aussi après déguster et faire partager ce plaisir à tout le monde. C'est cette convivialité-là que la culture française, cette année en tout cas, nous invite à retrouver après ces mois et ces mois et ces mois où ça a été difficile de se rencontrer. Donc faisons-nous plaisir, faisons du bien à la planète et préparons-nous à faire plaisir à nos amis.